c'est une journée comme les autres. Salut tout le monde, c'est Yoshi. Je retrouve pour un nouvel play sur un autre jeu que Zelda. Parce que j'avais pas faire que du Zelda sur ma chaîne. À la base, je voulais faire Pokémon Emerald, mais j'ai un souci d'émulation que je réglerai plus tard. En attendant, du coup, je fais ce jeu-là. Un jeu qui m'a beaucoup plu par le passé et que je compte bien faire en display. Et je commence déjà de choisir. Hop. C'est bien, je trouve. Allez, nouvelle partie. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors, ce sont des épisodes de 20 minutes, comme d'habitude. Alors, Final Fantasy Tactics Advance, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu tactique, enfin RPG tactical si je me trompe pas, édité et développé par Square Enix si je me trompe pas non plus, qui est un très bon Final Fantasy en passant. Ah non, je me retrouve encore avec les nuls. C'est pas drôle d'être dans la mauvaise équipe. T'as qu'à dégager. Hey Mew, t'as pas apporté ton annonce aujourd'hui? 3 petits points. Je voulais pas que son petit ours attrape un rhume. C'est ta maman qui t'a donné cette vieille peluche? T'as un problème de nouveau? Perds pas ton temps, il te répondra pas. Il est trouillard comme une fille. Hé, hey, de quoi tu parles toi? Je connais une fille qui pourrait t'en coller une. Oh, ça parle mal. Ça parle très mal. Oh, Reed, c'est du calme. Tu veux pas faire partie de cette équipe, hein? On a qu'à faire échange, voilà, c'est réglé. Te laisse pas faire, dis-leur ton nom au moins. Sinon, ils vont continuer à t'appeler le nouveau. Bon, pour ça, ça me dérange pas plus que ça. Alors, il va bien sûr s'appeler Inokshi. Il faut bien. Et No. Ça passe. Staff. Confirmé. Yep. Putain, Filzar, mais tu t'amuses à faire chier là. Oh. Filzar, il va venir dans toutes mes vidéos, je crois. Excuse-moi, Inochi. Inutile, mais où? T'es pour rien dans cette histoire. Un petit point. Pas pas beaucoup aussi, mais où? Mais punaise, Filzar, il faut se calmer un peu. attendez les gens. Je vais aller régler ça tout de suite. Voilà, excusez-moi les gens. Je sais pas si ça verra dans... Non, mais... J'ai mis le truc en pause pour pouvoir quitter Steam parce que sinon ça casse les couilles. Alors c'est bon, monsieur Leslie, on est prêt. Bien, commençons cette bataille de boules de neige. Les musiques, elles sont sympas en plus dans ce jeu. Tu t'es habitué au climat de Saint-Ivalis, Inuchi? Il faisait plus chaud là où tu habitais, non? Oui, là-bas, il neige jamais. C'est ma première bataille de boules de neige. C'est vrai? Faut que je te donne des conseils, alors. Reed, tu lui expliques aussi? D'accord, monsieur Leslie. De toute façon, t'as pas trop le choix. Le combattant le plus rapide agit en premier. C'est une question de rapidité, du coup. Quand c'est ton tour, tu dois d'abord bouger. Tu ne peux pas aller où tu veux, alors choisis bien. Tu peux voir la distance en appuyant sur le bouton B. Refais cette action si tu changes d'avis. Prêt à bouger? Voilà, elle nous fait une démo en fait de ce qui va se passer. Une fois en position, tu peux attaquer. Choisis boule de neige dans le menu action. Les cases vertes indiquent la distance de l'attaque. Choisis ta cible parmi ces cases vertes. Si tes ennemis sont hors d'atteinte, choisis passer. Comme ça, ton prochain tour viendra plus vite. Tiens, prends ça, Minus. Vois ce qu'il fait. C'est scripté, là. Après l'attaque, choisis une orientation. Ensuite, confirme cette position.
Orientation, c'est dans quel sens tu vas te mettre. T'as compris? Non, j'ai bien compris. Je crois, oui. Merci à vous deux pour l'explication. Alors, je vous précise que ce Final Fantasy est l'un de mes préférés, surtout sachant que c'est l'un des derniers que j'ai. Enfin, l'un des premiers, pardon, que j'ai fait. C'est mon enfance, les gens. C'est nostalgique. C'est mon enfance. Bref, je crois, oui. Merci pour l'explication. Que la bataille commence. Et il siffle. Bonne chance, Inachi. Et la classeur pour chaque option, bouton select pour voir les explications. Alors, Reds. Alors, pour vous expliquer, quand on est de côté, alors là, nous sommes de face par rapport au joueur, enfin par rapport à l'adversaire. Du coup, nous avons 50% de chance de le toucher. De côté, il me semble que c'est dans les 75%. Et quant à l'arrière, c'est 99% de chance de le toucher. Le pourcentage augmente si tu es à l'arrière. Si tu es à l'arrière. L'île. Par contre, je vous le dis, ils vont tous spammer ce pauvre jeune homme. Meo. Comment, je sais pas comment on le prononce, mais moi je vais dire Meo. Ah oui, un dernier truc. C'est plus facile de toucher un adversaire en attaquant par derrière. Merci, c'est ce que je viens de dire. J'adore quand le jeu il évite ce que je dis. N'oublie pas ça quand tu choisis ta position. Très important à savoir. Hop. Du coup, je vais mettre ici. De toute façon, ils vont sans doute. Hop. Regardez, maintenant je suis à 75% parce que je suis de côté. Beaucoup plus de chances de le toucher. Colin. Le deuxième épisode, je pense que je le toucherai, je le tournerai demain, je pense. Et le deuxième épisode sera pour jeudi. C'est bien, il esquive les coups, le petit. Il est doué. Il a été touché qu'une seule fois pour l'instant. 60% de chance de te toucher. Voilà. C'est parfait. Alors. Je sais pas combien de temps on dure la partie, mais elle dure pas très longtemps. Hop. Alors. Boum. On a touché. Je vous dis, on peut pas les tuer parce que sinon ça mettrait deux plombes. Oui, tout de suite. Alors, tu ferais mieux de te rendre, mais où? Mais il sait pas parler, même pour dire pitié. Trois petits points. Ah, la partie est finie. Oh, c'est le lâcher, oui. Quoi? On fait rien de mal? Tu parles, vous n'arrêtez pas de viser Meo. Ça va, Meo? Ça va. Tu vois, il dit qu'il va bien, alors. Il sait que ce sera pire s'il se plaint. Aïe! Meo, ton front saigne. Ah. Il y avait une pierre dans la boule de neige. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est Meo qui a la peau trop fragile. Il est facile à battre et nous, on veut gagner. Alors, c'est ça, la victoire à n'importe quel prix. Faut me dégoûter. Cause toujours, Blanche-Neige. Pardon? On sait que tu teins les cheveux. En vrai, ils sont tout blancs. Ouais, t'as les cheveux de mémé. Une vieille mémé revêche. Haha. Viens ici et répète-moi ça. Oula, du cœur les enfants. On arrête la bataille de boules de neige. Lille, Colin, Kness, j'ai deux mots à vous dire.
Ben oui, ça va aller ton front. Pas de problème, vraiment, ça va. C'est tout pour aujourd'hui. Les autres, rentrez chez vous. Merci. J'ai horreur des machos qui s'en prennent aux plus faibles. Quelle bande de nuls. Dis, Inochi, t'as quelque chose à faire là? Pourquoi? Je dois aller acheter un livre. Peut-être que tu voudrais m'accompagner? D'accord, je peux passer. Non, merde. J'ai lu n'importe quoi. Il dit qu'il peut pas en fait. Mon frère sort de l'hôpital aujourd'hui. De l'hôpital? Il était malade? Oui et non, c'est une maladie de naissance. Il va régulièrement à l'hôpital. Ça craint. Tu m'étonnes. C'est quoi le livre que tu dois acheter? Un bouquin style Donjons et Dragons. Tu peux l'apporter chez moi, si tu veux. Je suis sûr que ça intéresserait Donald, mon frère. Si ça te dérange pas. Aucun problème. Reeds, t'as qu'à venir aussi. Moi, je suppose que j'ai rien de mieux à faire. Génial. Vous savez où j'habite, hein? La grande maison jaune, c'est ça? Je viendrai directement après de la libraire. Pas de problème. Ça parle beaucoup au début, je vous le dis tout de suite. Ce qui est normal, il faut présenter le jeu et compagnie, ses personnages. Du coup, il y a beaucoup de parlotte. Écoutez, je suis vraiment désolé. Oh. Il baisse la tête. Je vous jure que ça n'arrivera plus. Comptez sur moi. Non, monsieur Randall, c'est triste, mais on ne peut pas vous faire confiance, même si nous comprenons votre situation. Je ne sais pas quoi vous dire. J'arrangerai le coup pour cette fois. Oh, merci, merci. Excusez-moi pour cet incident. On y va? Ce type en fait des tonnes, c'est gênant. Mais où tu étais là? Salut, papa. L'école est déjà finie? Ouais. C'est tes amis? Comment ça va le boulot, papa? C'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Soyez gentil avec mon fiston, hein. Il a l'air sympathique en fait ce mec. Il travaillait dans une grosse société avant. Mais depuis la mort de ma mère, il se laisse aller. Il a l'air sympa. En plus, il doit parler. En plus, il doit parler à un adulte. C'est rare les parents qui te prennent pas pour un bébé. Tu m'étonnes. C'est tellement vrai. On se retrouvera à la maison, ok? Mon PC qui fait du bruit, j'espère que vous l'entendrez pas. Mais ouf. Que sais-tu sur Inochi? Pardon? Chaque famille a ses problèmes. Il paraît que le père de Inochi a quitté leur maison. Ah bon? C'est étrange sur le coup. Ah. Et lui, c'est avec Donald, ouais, c'est ça. Donald? Oh, salut. T'es pas en avance, tu sais. Désolé. On a fait une bataille de boules de neige à l'école. C'est pour ça que t'es trempé? Ils ont encore été méchants avec toi? Mais je ne suis pas encore habitué à la neige. C'est plutôt que t'es nul en baston, oui. Ou... Inochi, tes amis sont arrivés! Dis-leur de monter, s'il te plaît! T'as invité des copains? Oui. L'un d'eux a trouvé un bouquin bizarre. J'ai pensé que ça t'intéresserait. Toi qui es toujours plongé dans des livres. J'ai tellement de temps libre à l'hôpital. Il n'y a rien à faire à part lire et jouer aux jeux vidéo. Salut, on est là. Bonjour, je suis Reed, de la classe de ton frère. Je te présente Meo. Salut. Tu as eu ton livre, Meo?
Alors là, ce jeu entier se repose sur ce livre, les gens. Vous allez très vite comprendre. Oui, il est là, mais je connais pas son nom. Même la libraire n'a pas réussi à le déchiffrer. Waouh, il a l'air super vieux. De quoi ça parle? T'arrives à lire, Daned? Attention, musique. Petite cinématique. Ça me fait penser qu'il faudra également que je tourne un deuxième épisode de mon espèce Zelda Ocarina of Time pour assurer du contenu pour lundi et mardi en l'occurrence. Ça permettra de me concentrer sur autre chose. Impossible de lire cette écriture. C'est peut-être une incantation. Et ça, on dirait un diagramme magique. T'as peut-être raison. C'est quoi comme langue? Du latin? Là, il y a un texte rajouté, ça dit quoi? Helta Aaron Sunda Kamela. Ça fait très sortilège, non? Waouh, un livre de magie. J'aurais bien être magicien. Ça m'étonne pas de toi, Doned. Si j'étais magicien, je ferais de toi le roi de la baston. Très drôle. Ça te changerait la vie. Et les deux autres qui rigolent. Ce serait génial si c'était vraiment un livre magique. Ça vous est déjà arrivé de lire un bouquin et de dire « Waouh, je voudrais tellement vivre comme un vieux, comme eux ?» Je sais pas, la plupart des livres sont d'un ordre mortel alors. Qu'est-ce que tu aimes lire, Reed? Des BD? Moi, j'aime les jeux vidéo, avec des monstres et tout. Et si tu devais vivre dans un jeu, tu choisirais lequel? Bonne question. Final Fantasy. Ah, ils sont sérieux les gens alors? Les mecs, vous êtes sérieux? Final Fantasy, c'est ma série préférée. C'est une de mes séries préférées aussi, bande de connards. Sérieusement là. Oh. Oh, il est tard, je vais devoir rentrer. Oui, moi aussi. À demain à l'école, Inuchi. Merci pour ton invitation, Inuchi. Content de t'avoir vu, Donette. Moi aussi, Reed. Bon, je vous raccompagne. À tout de suite, Donald. Il ferme la porte. Si j'étais magicien. Si tu étais magicien, ouais, tu l'as eu. Donald, c'est l'heure de ton médicament. Ok, maman. Il y a des escaliers? Pas bah, ici. Il leur a dit de monter. Je crois que. Ah, la fameuse cinématique. Cinématique qu'on voit quand on lance le jeu. Mais sauf qu'il n'y a pas de dialogue du coup. Et ça, c'est bien. Le frère de Hanmo.
Le frère du héros a disparu. On a changé de tenue. Alors ça, c'est étrange. Hein? Je suis où là? C'est pas moi qui se dois le dire. Ça, c'est clair. Oh, pardon. Regarde où tu vas, fiston. Un iguane qui parle! Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Tu m'as traité d'iguane? Ce genre d'insulte ne peut rester impuni. Voilà, du cam! Faut pas se culper pour ça. Ah, les personnages que j'aime beaucoup. J'ai nommé Mont Blanc. Mog, si tu m'aides avec toi. Malheureusement, oui. Il débarque de sa compagne. Pardon? Je te demande pardon? Allons, demande pardon au vengard. Désolé. Excusez-le. Il rencontre rarement des vengards. Une seconde. Coupeau? Tu portes un uniforme de soldat, non? De soldat? Ton métier, c'est de la guerre, hein? Alors, on garde. Qu'est-ce qu'il raconte? Coupeau, il te provoque en duel. Super. Alors, dans ce jeu, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les atouts, les noms des personnages. Oh, un coup critique! Oh! Si j'ai bien compris, en garde veut dire combat. Quand c'est évident, tu comprends tout. Les lois. Les lois et le juge sont fixés pour aujourd'hui. Juge, loi. Oh non, ça aussi tu connais pas. La loi du jour interdit d'utiliser des objets. Pense à regarder les lois avant un combat. Chose qui est très importante. Vérifier les lois encore dans les notes. Je récapitule pour chaque combat, il y a des lois à suivre. Le type avec l'armure, c'est un juge. Coupeau, à toi de jouer. Utilise ton épée et tes capacités. D'accord, allons-y. Il n'a pas l'air sûr de lui en soi. Alors, on va lui mettre un coup dans le dos. D'accord. Hop. 22. Boum. Alors lui, il va certainement se mettre derrière le moque, forcément. 16. Ouh! 92%, 8% de chance d'esquiver. Mon blanc esquivé! Beau gosse. Et il attaque forcément le mauvais. On peut attaquer lui, les gens. Boum. T'as mis sa charme sur lui, quoi. Ah. Bah, nous, on va s'acharner sur son pote. Attends. Boum. Nickel. Ne bouge pas le juge. Il a bougé. L'enfoiré! Bon. Il attaque de front donc. Intéressant. Alors, Mont Blanc, si t'es pas con. Enfin, il est pas très intelligent. Par contre, il attaque les deux. C'est parfait. Ce serait bien qu'il en bute, qu'il touche les deux. Il a touché qu'un seul. Ça, c'est emmerdant. Et il a une étoile. Qui donne un JP. KO confirmé, juge point attribué.
Un juge point, c'est quoi? Les juges points sont très utiles. Ces JP servent à effectuer un combo avec les alliés. Avec ça, facile de gagner. Bref, il faut les adversaires, piger. Il n'y a rien de très compliqué en fait. J'ai oublié de faire un coup critique pour le buter. Prochain coup, il meurt. Parce qu'il va être temps de s'arrêter en fait. Oh, il essaie de se soigner. Ça va être relou par contre ça. Bon blanc, faut l'achever. Pour 50% de chance. Vas-y, touche-le. Touché, allez, nice. C'est lui qui a les deux juste pour. On est nul comparé à ce mec. Apparemment, j'ai gagné. Ouais, apparemment, ouais. Victoire. Ah, j'ai mal. Une potion, vite. Idiot. Ils disent pas de potion. Les objets sont interdits. Oh. Infraction à la loi RG2 4601. Pas d'objet. Prison immédiate pour les hors-la-loi. Ah, ça déconne pas ici. Boum. Au revoir. Et hop, en tôle, le pauvre. C'est pas coupeau. En tôle. La prison, quoi. Si on ne respecte pas les lois, le juge t'y envoie que tu le veuilles ou non. Par la loi, jugé et emprisonné. Les visiteurs doivent se rendre à la prison de Sprom. Drôle de nom. Prison, Sprom. Mais où suis-je tombé? Oh, je t'en pose des questions. Merci du coup de main. Il ne faut jamais traiter les vangas d'iguane. Je savais pas. Tu avais déjà vu un vanga avant, non? Oui, mais pas aussi grand et il parlait pas. Et d'où sors-tu? Cadouane? Muscadet? Quoi, je comprends pas. Je comprends rien à ce que tu parles. Ce que tu dis. En plus, je parle avec un animal en peluche. Mais arrête de t'enfoncer, putain! Copo, pour ton information, je suis un mog. Un mog? Très bien, et c'est quoi? Bon, je vois qu'il faut tout expliquer. Et si tu es dans la ville de Cyril à Ivalice? Ivalice? Mais c'est le nom de ma ville. Quelle ville? Ivalice, c'est un pays. Non, c'est une ville, et on n'y trouve pas de Vanga. Ben, il y a quand même des mugs, non? Non, rien que des chiens et des chats normaux. Mais tu disais avoir déjà vu un vanga. Maintenant, c'est moi qui ne coupe plus rien. Oui, j'ai vu un truc qui ressemblait à un vanga. Mais c'était dans un jeu vidéo, pas la vraie vie. Coupeau? Ça s'appelle Final Fantasy. C'est un monde imaginaire. Une sorte d'univers fantastique avec des monstres et tout. Et mon monde ressemble à ça? Bah oui, c'est comme un univers de jeux vidéo. Plus tu parles, moi je comprends. Désolé, c'est un peu dur à expliquer. J'ai jamais rien entendu d'aussi coupeau. Ah bon? J'ai un peu de mal à te croire, mais. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Je fais quoi maintenant? Notre rencontre est un signe du destin. Reste avec moi et on pourra s'entraîner. D'accord, merci, je m'appelle Inochi, et toi? Mont Blanc. Viens avec moi, Inochi. Où est-ce qu'on va? D'accord. C'est quoi cet endroit? Les membres de mon clan viennent toujours ici. Un clan, c'est un groupe de combattants. Ils n'ont pas l'air commodes. Notre clan se charge de missions difficiles. C'est bien payé et on s'ennuie jamais. Ah oui, d'accord, ils déconnent pas ici.
L'un d'eux, c'est peut-être comment je peux rentrer chez moi. N'hésite pas à leur demander. Dis, je peux faire partie de ton clan. Bien sûr, faut juste que je leur explique. Mes amis, je vous présente Inoj. Bonjour. Tu peux compter sur nous. On va chercher un moyen pour que tu rejoignes ton monde. Et ton clan a un nom? Bah en fait, non, on n'y a pas encore pensé. Tu veux pas trouver un nom pour nous? Moi? Pour célébrer ton arrivée parmi nous. Invente un nom. Il faut que j'invente un nom. Merde! J'ai pas pensé à ce détail. Un nom de clan, qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Allez, on va faire une petite idée. Harmonia, on va faire. Allez, va pour Harmonia. Le clan Harmonia. Est-ce qu'on est en harmonie? Copo, dorénavant, on s'appellera Clan Harmonia. Ça passe. Donc tu es bien. Tu as bien copé la situation? Ce pays se nomme Ivalice. Ivalice qui d'ailleurs repris. On va placer ici. Alors voilà. Du coup, on va se laisser ici pour cet épisode. Qui a duré quand même 32 minutes. On va pas se cacher, c'est un peu long. Enfin, c'est pas grave. Au moins, comme ça, on a les bases. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à balancer les pouces bleus, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec la petite cloche, comme d'habitude. À partager sur les réseaux sociaux et à commenter. Voilà. Sur ce, c'était Inoj. Moi, je vous dis, bye les gens.